pleine route nationale, les jeepneys, les amis, et tout le monde s'accroche. C'est moins cher quand tu es dehors plutôt qu'à l'intérieur. Donc voilà, ils peuvent faire 40 bornes, 50 bornes comme ça accrochés derrière les jeepneys. Bon, en général, ils vont pas très loin, mais. Voilà. Ça, bah ouais. Ah. Voilà. Attention. Big hurt, we go. Bye bye. Ici, c'est celui qui a le plus gros cœur qui passe. Si t'as des bollocks, tu roules. Nice. Ça c'est Oscar, my friend. Taxi from Hilo Hilo. The best in the business in Hilo Hilo. It's my friend Oscar. Mon collègue, my colleague, my Filipino colleague. Et travaille à Hilo Hilo, very hard to drive in Hilo Hilo. Oh putain, l'Isuzu, wow. Il est gros. Putain, encore des mecs accrochés derrière les jeepneys. Voilà. Ah, c'est beau, il y a des pêcheurs. Les pêchous, ils sont là, les pêchous. Les bateaux, ah désolé ça saute, mais c'est la route. Regarde ça, loco. Ça va vite. Attention, slow down le village. Slow down, il a dit le monsieur. Oups. Voilà. Pas bien là, loco, au bord de l'eau. Casa de Corriente. Oh. On filme un peu le trafic. Voilà, slow down. Voilà. Et un petit ralentissement. Parce qu'il doit y avoir un camion, des tricycles. Tranquille. Mais voilà, c'est très égal. Hello Joe! Hey Joe! On va arriver à Gambal après. On filmera là-bas. Oula, le chien! Il va traverser lui. Il y a un gros poids lourd qui nous arrive en face sur le pont. Donc ça va être chaud, chaud, chaud patate pour qu'il passe. Ah ben voilà. Vite, elle arrive, vite. Taxi, taxi. Sakana, sakana. Sakai, sakai. Voilà. Elle est montée au dernier moment. Attention, ça rigole plus. Oh, croisement sur le pont en travaux.
travaux d'élargissement pour le futur. Alors nous voici à Guimbal, ici à la station de Tricycle. Tricycle Station, parking, les petits magasins, Joy Traveler's Ticket Outlet, les gros 4x4, les pompons, les pompiers, ils sont là. We serve to save. We serve to... Hey Joe, how are you? L'église de Guimbal. Voilà, Guimbal, le parc. Le parc de Guimbal. C'est le parc national de Guimbal. La mairie au fond. Voilà. Ah ouais. Guimbal. Attention, school. School children exit. Lui il va tourner, il va attendre. Nous, on va attendre aussi. Hello. Ok. Here we go. Il fait la circulation. T-shirt vert, c'est la circulation ici. Là, la popo, la police. La poupou, la police. C'est poupou, c'est police. Policeman. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, yes. Là c'est joli ça, regarde tous les pêcheurs, ils sont là, avec leurs bateaux. Et automatiquement des pêcheurs, ils ont des bateaux. Pas des pêcheurs à la ligne. Welcome aboard Exact Training Center. Non se moquer, Exacto. C'est quoi ça ici en fait? C'est quoi? C'est le port? Ah, c'est l'école de pêche? School fishing? Jolie celle-là. Nice. Il y a des bambous. Des clôtures en bambou. Ouais, les travaux. Ah, lui, il a un vélo, tiens. Bike. Mountain bike. Oh, c'est joli, c'est la plage, regarde. Hop, les petits bateaux. Les petits bateaux. Gamay bateau là. Gamay boat. Oh, c'est les petites maisons, des petits bateaux, des petits pêcheurs. Voilà. Beach resort for sale. T'as vu? You want to buy a beach resort, darling? Beach resort for sale. Maybe no tourist. No money, no tourist. No tourist, no money. If you take care of the tourist, they come. Voilà, il y a plein de bambous ici, regarde. Nice. Molina, décorative store. Ok. Il y a plein de magasins là.
Alors, c'est quoi ça? Bistrot. Il y a un bistrot ici? Ah ouais. Bistrot Torrento, il y a écrit. Qui s'y fout là, le mec? Bistrot Torrento. C'est qui celui-là? Oh, l'autre, il a des foulards et tout autour, du coup. Et là, ici, il fait 30 degrés, tu les vois, des fois, ils ont des bonnets sur la tête. Mais des bonnets de laine, les mecs. Et il doit faire 50 degrés sous le bonnet, quoi. Ah ouais. Ah oui, mais quand même, t'es étonné, des bonnets de laine, comme à Chamonix. Ils mettent des bonnets en laine, alors qu'il fait 30 degrés dehors. Quand il fait 30 degrés, ils mettent des bonnets. Ils doivent faire 50 degrés sous leur tête. 50 degrés sous le bonnet. Ah, il y a plus d'eau que l'autre jour, là. On est passé, il n'y avait pas d'eau. La mer, elle a monté. Des fois, il fait 25-30 degrés, ils mettent les bonnets. Combien? 24, j'ai l'impression qu'il fait 35, là. Ah, Cires Liner. Voilà, Cires. Encore des travaux sur le bord des routes. Les cailloux, la terre. Oh putain, le 4x4. Rod Ender. Hop. Et voilà, un des derniers villages Tekbawan avant d'arriver à Iloilo Airport. On a quelques kilomètres encore à faire. Voilà. Toute cette route que j'ai faite de nuit pour la première fois là, il y a une semaine avec le Ford Ranger. Là, il y a des fringues. Ouais. J'ai fait cette route de nuit sans les lunettes que j'avais laissées à la maison en plus. Oh putain, il y avait une cox là, dommage. Une coccinelle rose, toute neuve. Donc je peux te dire que quand tu fais la route la nuit, ici, pour la première fois et sans les lunettes, c'est chaud. Bon, on a bien roulé quand même, on a mis une heure, je crois. Une heure pour les 54 km. C'était chaud, chaud, chaud. Oh! Oh! C'est un capot pour le chat. Il est pressé, lui, quoi. Calme-toi. Calmos. Relax, Max. Oh, là, il y a le carabao. Ah, baka, c'est la vache. Baka. C'est la vache. C'est la femelle du carabao. La vache. Baka. Baka, bacalao. Un genre de bacalao, c'est portugais. Bacalao. Oh, le chef, gambing. Gambing. Là, la popo, la police. Ici, vous avez le commissariat de police du village. Ouais, le poste de police, c'est génial, hein, mais il n'y a pas la clim. Hein. Wallangercon, ils ont. Ah, Meron. La poupou, la police. Il y a écrit slow down, accident area. Devant le commissariat de police, c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Oh, decoration, what happened? Slowly, slowly. Wait, I take that. Nice car. Ok, you go. Ils ont décoré la bagnole. Voilà, là on fait un petit dépassement là, one again. Nice. Ouais. Poussez-vous, on arrive. Poussez-vous les mecs. Elle est grosse celle-là.
ouais, bien. On la voit pas, la grosse baraque, là, merde. Pure gold. Ah, c'est un grand supermarché ici. On est venu là déjà, non? Je crois qu'on s'était arrêté à Pure Gold. Là, on approche d'Iloilo, very close now. Automne? Ah, c'est automne du temps. Automne, ouais, on arrive. Automne. How many? 11. 11 now. Ok. 11 km avant le village, avant l'aéroport. Malapit nang matikan. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Alors, le litre de gasoil, 38 pesos,29. 38 pesos le litre. Tu fais le calcul, pour 1 euro, tu as 53 pesos. Donc c'est 80 centimes et quelques, je sais pas. Quand même, hein, c'est un peu cher. Il est un peu cher le gasoil, finalement. 38 pesos. No entry. You want to go there? Yeah. Back end is different. Yeah, just a different. Shortcut? Bah mais elle est fermée, no entry avec lui. Ils font des travaux peut-être, on va tourner là. Automne. Bonjour les amis. Ça va les amis? Oh, il y a écrit Manokan Zamolo. Zamolo, la famille Molo. Voilà, on sort de la route principale, on take the shortcut. Voilà, le petit vélo, ça c'est dur comme métier. Les pompons, les pompiers, ils sont là. Voilà, Auton Village, Auton Centre. Là c'est le parking des scooters, hein, vous l'aurez deviné, le parc Dental Health Bus. Ah, il y a un bus pour soigner les dents, là. T'as vu? Ils soignent les dents dans le bus. Bon, le parc, voilà. Les terrains de basket. Tout le monde vient de se reposer dans le parc. After the school. Voilà. On prend le raccourci. Hop, automne. Comme ça, on arrive à l'aéroport direct. Et après, on va retourner à droite pour reprendre la route qui était fermée tout à l'heure, un peu plus haut. On va voir qu'on va tourner à droite. Voilà. Voilà. Là, voilà, je t'avais dit qu'on allait tourner à droite. Là, il y a des bananes, oh, des bananes vertes. Et voilà. Nice. Auto. Police, auto. La poupou, la police. Elle est là. Oh, un signe. Ah non, c'est pas un signe, ça. Ça ressemble. Ah, voilà.
C'est ça là, police station. Blue and white. Ben, comme ça, on les reconnaît. Tous les commissariats, ils ont la même couleur. Voilà. Standard, voilà. Allô? Voilà, hop, le genre de route que je me suis tapé l'autre jour en 220 bornes. Comment? Ah, c'est joli, ouais. Ami. Les vaches, les petits cocotiers qui posent, cocoterie. C'est du riz qu'ils font, t'es honnête là. Le riz. Hop, attention, broken road. Le piéton. Ah. Oh. Ah, ils stationnent en pleine route, les mecs. Oh, vas-y. Hop, on passe à 20 cm. Ah, on a gagné lui avec son scooter. I don't know where he's going. In the middle of the road. Oh! Pousse-toi, toi, la gonzesse. Sans casque, sans rien. Ah, là, les premières gouttes. Les premières gouttes de pluie depuis qu'on est arrivé. Il commence à pleuvoir. Raining for the first time we arrive in the Philippines. C'est la première fois qu'on voit la pluie. Attention là, oh là là, poids lourd. Attention, school machin. Oh là là. Il pleut, bergère. Starting rain. Il commence à pleuvoir. On repart sous la pluie. Dans les nuages, sous la pluie. Belle averse. Une belle averse, les amis. Mon ami Nolan, Daglao. Nolan, Nolan. On repart dans la tempête, putain j'ai peur, on va prendre l'avion là-dedans. Aïe, aïe, aïe. On va serrer les fesses dans l'avion. Et voilà, on arrive à la fin du raccourci qu'il a pris. Nice. Bon, come on. Allez. No sleeping here, walang tulog dito. No good driver. Very bad. Afraid. L'autre va passer l'après-midi au carrefour là. Ok, sigue, sigue, derecho na, derecho. Tasig, tasig. Voilà, nous on est passé. L'autre il est encore coincé au carrefour, le mec il a peur.
Tout bigling. No problem. Too big is good for your life. Et voilà, à 5 km de l'aéroport. Voilà Pitna. On n'est pas loin. Hein? J'entends pas. Je t'ai déjà dit. 2.